patrimoine, pour moi, c'est l'héritage. C'est l'héritage que l'on a de ce qui est avant nous et que l'on nous a légué et qu'il faut que l'on fasse connaître et que l'on développe. Donc le patrimoine, c'est aussi bien le passé que ce que l'on peut en faire, c'est-à-dire l'avenir. Et c'est vrai que si je pense à patrimoine à Lyon, immédiatement, ce qui me vient à l'esprit, c'est notre héritage qui nous vient de notre passé gallo-romain, c'est-à-dire tous les édifices que nous ont légués les Romains, l'amphithéâtre, l'Odéon. Et particulièrement ici, le patrimoine prend la forme que nous a laissé la Renaissance, c'est-à-dire un quartier complet qui depuis 5 siècles a gardé son homogénéité, et c'est pour ça que je l'aime et que je le trouve beau, parce qu'il est resté homogène. Bon, c'est vrai que je pense d'abord au Vieux Lyon, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le Vieux Lyon. Je connais très bien ce quartier, j'ai souvent fait visiter à des amis ou à d'autres personnes. Donc c'est un peu l'élément qui domine pour moi, mais ça peut être tout un tas d'autres choses. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à voir dans Lyon en termes de patrimoine architectural, à goûter en termes de patrimoine gastronomique, à entendre. Pour moi, le patrimoine, c'est tout ce que, au cours des âges, on a construit et qui dure encore et qui sert encore, soit pour l'usage pour lequel ça a été fait, soit que ça serve à un usage différent. Le palais Saint-Pierre, qui a été couvent et caserne et école et qui est devenu musée. Pour moi, ce qui est patrimoine, c'est la Croix-Rousse, le Vieux Lyon, et c'est donc ce qui est bâti. Mais c'est aussi parfois ce qui est enfoui, c'est-à-dire le patrimoine archéologique. Et puis, troisième sorte de patrimoine que j'aime beaucoup, c'est le patrimoine transmis, c'est-à-dire tout ce qui concerne les savoir-faire, l'histoire, un certain nombre de traditions qui se transmettent de génération en génération et qui font qu'une ville ou un pays n'est pas semblable à son voisin. Et puis, encore, pour moi, le patrimoine, c'est ce qu'on construit aujourd'hui. Ce n'est pas seulement ce qu'on a fait dans le passé et qui existe encore. C'est ce qu'on fait aujourd'hui et qui a une chance de durer demain. Et je suis de ceux, par exemple, qui pensent que l'Opéra de Lyon, qui a été transformé par Jean Nouvel, avec sa grande calotte que certains Lyonnais appellent le grille-pain, cet opéra, c'est un morceau de patrimoine contemporain qu'on a apporté à Lyon. Il y a un autre très beau bâtiment, c'est la gare TGV de l'aéroport de Satellat, qui a été construite par un architecte espagnol, catalan, qui s'appelle Calatrava, et qui a fait une œuvre dont il me semble que c'est déjà du patrimoine. Bien sûr, il y a le musée des Beaux-Arts, sur le musée Saint-Pierre, il y a l'hôtel de ville en face de l'opéra qui est magnifique, mais il y a tous les quais de Saône avec tous les immeubles du XVIIIe siècle au bord de la Saône. Il y a le musée gallo-romain, il y a beaucoup de choses, il y a toutes ces belles églises, Saint-Jean, plein de très belles choses, un vieux Lyon. Et puis il y a les pentes de la Croix-Rousse, il y a la soirée lyonnaise, il y a la tradition de gastronomie de Lyon. Oui, c'est la soie, c'est la gastronomie. Bien sûr, il y a des choses très importantes là-dessus. Hein, on peut mélanger un petit peu les deux à la fois, quoi. Hein, et puis on peut prolonger, disons, avec le vignoble. Hein, puisque à une époque, il y a beaucoup de soyeux qui achetaient justement dans le vignoble, hein, donc qui était propriétaire de grands vins, disons, entre guillemets, quoi. Moi, je penserais avant tout au point de vue patrimoine, du patrimoine architectural, notamment du patrimoine du XVIe siècle qui est incorporé dans tout le Vieux Lyon, puisque c'est un quartier intégralement XVIe siècle, qui évoque tout à fait l'architecture italienne de ce temps-là.
Je penserai aussi au point de vue patrimoine, au patrimoine que représente l'industrie textile qui a été si florissante du XVIIIe au XXe siècle, et c'est justement ce que présente ce musée des tissus. Je penserai en plus, puisque ça entre dans le cadre du patrimoine, à toute la gastronomie lyonnaise. Il y a deux choses. Il y a d'abord le patrimoine, ce que je qualifierais de patrimoine bâti. C'est ce que vous pouvez constater de l'héritage de tant de centaines ou de milliers ou de millions d'années. Et puis il y a le deuxième patrimoine qui est ce que j'appellerais un patrimoine beaucoup plus humain, qui est complètement imprimé dans le caractère même de la ville et surtout de ses habitants. Eh bien, patrimoine, moi je me dis, par exemple, Canut. C'est-à-dire que c'est lié à des hommes et à des activités humaines. Le patrimoine lyonnais, c'est presque les deux fleuves, par exemple. C'est deux fleuves, c'est quelques places qui sont très très jolies. Et c'est vrai que Lyon, enfin l'opéra de Jean Nouvel, maintenant, pour moi, fait partie d'un patrimoine qui me paraît très important parce qu'on sent qu'il y a des hommes à l'intérieur. Alors à Lyon, et en France, le mot patrimoine a un autre sens. C'est le patrimoine, c'est ça, hein, c'est votre portefeuille et c'est les sous qu'il y a dedans. Alors, vous avez vu, j'ai pas beaucoup de sous, mais ça, c'est. Et le mot patrimoine, il est beaucoup employé dans les milieux financiers. Soignez votre patrimoine, faites fructifier votre patrimoine, déclarez votre patrimoine. Si vous êtes élu, vous devez déclarer votre patrimoine. C'est donc plutôt ce que vous avez dans le portefeuille. Mais bon, ça veut dire que patrimoine, ça veut dire, ça vient de pater, enfin c'est ce qui vient du père. Ce qui vient du père, ça peut être aussi effectivement l'argent, le bâti, et puis ce qui vient aussi de la nature, parce qu'il y a le patrimoine naturel. Si on parle de patrimoine visible, touristiquement visible, on a 2050 ans de patrimoine qui va de la fondation de Luc Dunhomme par un légionnaire de César, qui avait bien choisi son site d'ailleurs, parce qu'il a compris que cette colline sur laquelle nous sommes actuellement et sur laquelle a été bâti Luc Dunhomme était au carrefour à la fois des hommes, des idées et des marchandises, et que c'était un point à la fois de confluence et de passage obligé dans ce grand couloir que nous disons aujourd'hui européen, nord-sud, sud-nord. Et je crois que cela a beaucoup marqué toute l'histoire des 2050 ans de cette ville, et continue à la marquer. Alors, le musée de Gallo-Romain est effectivement un musée de site, c'est-à-dire qu'il a été construit pour s'intégrer à un ensemble monumental romain et on peut ou on doit commencer la visite par le musée, la finir dans le site, ou commencer par le site et finir au musée. Mais c'est une création, c'est un programme qui a été intégré complètement à des vestiges antiques qui sont tout à fait à proximité immédiate. Le musée est ancré dans une colline. Alors c'est le parti tout à fait de génie du très grand architecte qui est Bernard-Henri Zerfus, qui a affirmé que son premier contact avec le lieu, il a dit qu'il ne voulait pas créer son architecture à l'extérieur du monument, à l'extérieur, dans le site et en co-visibilité avec le théâtre et l'Odéon antique, mais qu'au contraire, il voulait modestement s'effacer dans le sol, s'enterrer. Et donc ce musée devient un musée souterrain, ce qui d'ailleurs en même temps est très évocateur pour la présentation de collections qui viennent de l'archéologie proprement dit. C'est un musée de l'histoire de l'origine de la cité de Lyon, qui est un petit peu ce que j'appelle volontiers la carte d'identité ou l'extrait de naissance de cette ville, puisque c'est un musée qui est là pour raconter les premiers siècles de l'histoire de cette cité fondée en 43 avant Jésus-Christ par Lucius Minucius Plancus. C'était une des collections
qui ont une dominante difficile d'ailleurs à présenter, qui est l'épigraphie. On a une série très importante, une des plus importantes de Gaulle, de plus de 600 inscriptions. Mais parmi les objets très spectaculaires, il y a naturellement la table de Claude, cette première sténographie d'un discours politique officiel, de très belles mosaïques, dont la mosaïque des Jeux du Cirque, et puis le trésor, ce très beau trésor d'argent et d'or qui a été découvert en 1992, donc tout récemment, et qui vient d'entrer dans nos collections, qui fait, constitue l'un des derniers éléments les plus importants. Qui a été découvert dans un quartier un peu excentré de l'agglomération romaine, dans le quartier de Vèze, au cours de fouilles préalables. C'est-à-dire qu'à Lyon, depuis 1980, on ne peut plus construire sans que préalablement des fouilles soient faites pour sauver le patrimoine qui peut être présent à cet endroit. Et c'est dans ces conditions qu'a été découvert un formidable trésor comprenant des statues en argent, des bijoux en or, des monnaies et de la vaisselle en argent. Et qui a donc rejoint nos collections depuis un an à peu près. Je crois que les Lyonnais sont très très fiers de ce musée, de même qu'ils évoquent toujours avec une certaine nostalgie l'époque romaine, qui était l'époque où Lyon était capitale des Gaules. Bien là notamment, on domine le théâtre et on peut voir le décor d'une pièce qui se joue depuis le 23 juin à Lyon, qui va jouer jusqu'au 2 juillet, qui est Roméo et Juliette de Shakespeare. Ça a été mis en scène notamment par le Théâtre des Célestins. Mais les théâtres romains à Lyon sont utilisés donc tous les ans, juin, juillet, puisqu'il y a un festival de musique et de théâtre régulièrement ici. C'est utilisé aussi pour des spectacles de variété. Divers chanteurs passent ici l'été. Et c'est vrai que c'est très agréable comme site avec les jardins environnants. Alors sur cette colline de Fourvière, il y a donc le grand théâtre où nous sommes, qui était lui réservé aux pièces, comédies, tragédies. D'abord, il est important parce que ça a été aussi le premier théâtre qu'on ait construit en Gaule. C'est le plus vieux, il est de 15 avant Jésus-Christ. Et puis, il était aussi important à l'époque par ses dimensions, puisqu'il pouvait contenir pratiquement 11 000 personnes. Ce qui prouve que les gens allaient peut-être beaucoup plus au spectacle que nous actuellement. À côté, on a un autre théâtre qui, lui, était tout à fait spécial. C'est un théâtre qu'on appelle l'Odéon. Il y avait très peu de théâtres de ce type, puisque dans le monde entier, à l'époque romaine, il n'y en avait que 6. Et en Gaule, seulement 2. Mais c'était des théâtres qui étaient faits pour la musique et la poésie. Donc ce genre de spectacle plaisait à moins de personnes à la fois, à des gens déjà plus cultivés ou plus raffinés. Donc ça explique qu'il y en avait moins et qu'ils étaient en plus plus petits que les autres puisque celui-là contenait à peu près 3000 personnes. Et l'acoustique devait être donc encore meilleure que dans un théâtre ordinaire. Donc celui-là était un théâtre couvert. Bon, il y a encore autour du bâtiment un mur d'enceinte assez épais qui soutenait une sorte de coupole de cuivre ou de bronze de façon à ce que le son monte, cogne contre ces plaques et retombe sur les spectateurs. Là, donc, on se trouve sur la partie du théâtre qu'on appelle l'orchestra. Il y a encore un endroit bien précis d'où le son résonne absolument tout autour des gradins. La plupart du temps, les pièces de théâtre ont lieu dans l'autre. Par contre, quand il y a des spectacles de danse, comme il y a 2 ans, il y avait des spectacles de danse, ils se faisaient par contre plus spécialement dans celui-là. Et Fourvière, donc, les gens aiment venir ici pour... Oui. Je crois que c'est un grand lieu de promenade, un des premiers sites que les touristes étrangers à la ville visitent. Mais c'est vrai que les Lyonnais, même en connaissant cet endroit, viennent parfois le dimanche, ils montent à Fourvière parce qu'il y a l'église, il y a aussi un beau point de vue sur la ville et ils aiment bien, c'est vrai, encore venir ici de temps en temps. Alors au départ, on priait dans d'autres chapelles, puisque la basilique est de la fin du XIXe siècle. On a commencé à construire des chapelles dédiées à la Vierge ici dès le XIIe siècle. Et puis, il y a eu un événement très important à Lyon qui a eu lieu le 8 septembre 1643, puisqu'à cette époque-là, il y avait la peste. Et les Lyonnais avaient fait le vœu de consacrer leur ville à la Vierge, si la Vierge... épargner Lyon de la peste. Et donc c'est ce qui a été fait miraculeusement. Les Lyonnais ont tous été guéris de la peste. Et à partir de ce moment-là, la ville a été consacrée à la Vierge. Donc à cause de l'affluence
de plus en plus grand des pèlerins. On a construit la chapelle Notre-Dame de Fourvière, celle qui est donc surmontée de cette statue dorée de la Vierge maintenant. Et puis plus tard, on a construit la basilique parce que cette fois-ci, les Lyonnais avaient demandé à la Vierge d'empêcher l'invasion prussienne en 1870 et ils lui avaient promis qu'ils lui construiraient une église superbe pour la remercier. Et les Prussiens ne sont jamais venus à Lyon et c'est la raison pour laquelle donc on a construit la basilique de Fourvière. On voulait faire la plus belle église qui puisse exister au monde. Alors on a tellement mélangé de styles que finalement, maintenant, quand on la qualifie, on dit que c'est une église de style italo-romano-byzantin, ce qui veut bien dire que c'est tout à la fois. Et cette église est décorée, vous avez peut-être vu qu'il y avait énormément de dorures à la feuille, de marbre, de choses comme ça, mais elle a été complètement financée à l'époque par la grosse bourgeoisie d'affaires de Lyon, et c'est vrai qu'à cette époque-là, ils n'ont pas regardé sur les moyens employés. Les Lyonnais considèrent que la basilique est superbe. Ah oui, je pense qu'ils sont très très fiers. Mais par contre, quand elle a été construite, il y a quand même certaines personnes qui n'ont pas aimé son architecture, parce que c'est quand même une église très massive, et qui l'ont comparée à un gros éléphant couché sur le dos avec ses quatre pattes en l'air. La cathédrale Saint-Jean, oui, c'est différent. Bon, bah, c'est un petit peu c'est d'abord le siège de l'archevêché, et puis c'est la primatiale des Gaules. Donc, c'est vrai que la cathédrale Saint-Jean, voilà, a un caractère plus pur. On va moins à la cathédrale pour se promener qu'on vient à Fourvière pour se promener. On peut dire aussi que la basilique de Fourvière, c'est presque devenu un lieu de promenade. La cathédrale Saint-Jean, ils y vont plus pour se recueillir ou dans ce sens-là. Eh bien, donc, je fais partie d'une association qui s'appelle la Renaissance du Vieux Lyon, qui est une association qui a 45 ans à peu près, mais qui a été surtout active à partir de 1958. Et la proclamation du premier secteur sauvegardé de France a fait que ce quartier a été préservé et que depuis, il est en constante réhabilitation et restauration. Le quartier du Vieux Lyon avait été abandonné après une période extrêmement riche au 15e, 16e siècle. Une période où il y avait beaucoup de notables, où il y avait des foires, les foires annuelles, quatre foires annuelles qui drainaient une population énorme. Lyon était au centre d'un trafic assez intense venant de la France, venant de l'Italie, venant du Sud. C'était donc un carrefour. Donc il y a eu un moment très riche. Et puis après, donc, le quartier a été délaissé au profit de la presqu'île. Et donc, petit à petit, il s'est paupérisé. Donc, les Lyonnais ne venaient pas dans le Vieux-Lyon. Même en 1950, les Lyonnais n'y venaient pas. C'était un quartier qui était sale, qui était pas très salubre. Et à ce moment-là, les associations se sont battues pour que le quartier soit préservé. Donc, les Lyonnais ont pris conscience. Et il faut rendre hommage à un certain nombre de deux ou trois commerçants, des artistes qui sont venus s'établir là et qui ont dit « c'est un quartier qui a de l'avenir, c'est un quartier qui est très beau » et qui sont venus s'établir là et qui ont voulu lancer ce quartier. Donc, à partir de 1960, beaucoup de commerçants, d'artisans, d'antiquaires, on a eu une période aussi où il y avait beaucoup d'antiquaires, sont venus s'installer. L'association de la Renaissance du Vieux Lyon, à l'époque, a essayé de favoriser cette installation. Donc ça a été vraiment le coup de pouce à la restauration. Depuis 7 ans, on assiste vraiment à une éclosion de cette réhabilitation qui est spectaculaire. Et puis, donc, cette rue de Gadagne est un peu au cœur du Vieux Lyon, puisque nous sommes à la limite du quartier de Saint-Paul et de Saint-Jean. On a souvent tendance à parler du Vieux Saint-Jean, mais le Vieux Lyon, c'est Saint-Paul, Saint-Jean et Saint-Georges. Nous sommes ici à Saint-Paul et vous allez voir que dans la rue Juivry, dans la rue Lainerie, qui sont des rues de Saint-Paul, il y a des richesses, des trésors architecturaux. Donc il ne faut surtout pas négliger ces trois quartiers, l'ensemble de ces trois quartiers. Et alors, nous sommes dans un immeuble donc, qui est du XVIIe siècle, un immeuble qui appartient à la ville de Lyon, et qui nous donne une petite idée de ce que peut être la rue du Bœuf et les rues qui longent la rue du Bœuf, la rue de Gadagne, la rue Juivry, qui longent la colline.
puisque les immeubles se construisaient et remontaient sur la colline. Et on a comme ça toute une série d'immeubles qui ont des petits jardins, on remonte, on a un jardin, on a une petite maison, on a un jardin. Tout ça crapahute sur la colline, si je puis m'exprimer ainsi. Et on rejoint ici la montée Saint-Barthélemy, qui était l'ancienne voie romaine qui montait sur la colline de Fourvière. On est dans un hôtel ici, l'hôtel Cour des Loges, qui est un hôtel 4 étoiles grand luxe, donc vraiment qui offre de très belles prestations, et qui a été restauré à partir de 4 immeubles qui n'étaient que des logements. C'était des immeubles qui étaient très vétustes et la restauration a été vraiment énorme. Et il a fallu vraiment tirer par les cheveux des immeubles qui étaient en très très mauvais état. Les chambres en général ne sont pas très très grandes puisque c'est toujours pareil, le parcellaire n'est pas très grand. On retrouve exactement les mêmes caractéristiques que dans les autres immeubles du Vieux-Lyon. Donc on a une décoration et du mobilier qui est résolument contemporain, aussi bien à l'intérieur des chambres que dans les halls d'exposition, dans les halls de circulation. Mais par contre, l'immeuble lui-même a été refait pratiquement à l'identique. C'est un hôtel qui, par ailleurs, offre la particularité d'être une perpétuelle galerie de peinture ou de sculpture. C'est-à-dire que les propriétaires, en particulier la femme du propriétaire, était quelqu'un qui avait une galerie d'art, qui est très experte et qui fait beaucoup de décorations par ailleurs, et qui du coup accueille perpétuellement des tableaux, des sculptures qui sont exposées soit dans les chambres, soit dans les couloirs et dans les galeries. Cet hôtel donc couvre 4 immeubles. Nous sommes ici dans la partie supérieure, dans les jardins suspendus. Il est donc évidemment accolé à la colline. Il y a même des thermes que vous avez peut-être aperçus au passage. C'est un exploit aussi de pouvoir faire une piscine accrochée à la colline. Ça a été très compliqué, mais enfin ça donne aussi un plus à cet hôtel. Et là, ces petits jardins suspendus donnent une idée de ce que peut être toute la rue du Bœuf avec les immeubles qui sont adossés à la colline et qui remontent, qui crapahutent sur la colline. En travaillant dans ce quartier, le quartier du Vieux-Lyon pour le nommer, j'ai vu pendant 10 ans l'expérimentation qu'on a pu y faire en matière de restauration et la façon de le mettre à disposition, que ce patrimoine ne reste pas notre seul butin, si on pourrait dire le butin qu'on aurait pris sur l'histoire, mais la façon de le restituer aux visiteurs, à des visiteurs comme vous qui chercheraient à le découvrir. Et donc depuis 10 ans, non seulement on a essayé de faire ce quartier agréable pour ceux qui y vivent, mais aussi pour ceux qui viennent le voir. Pour ce qui est des commerces, il est vrai que les commerces sont un petit peu monochromes parce qu'il est devenu plus un quartier de loisirs ou un quartier où l'on vient le soir. Donc on y trouve plus certainement des commerces de bouche, comme les restaurants, les pubs, les boîtes, mais on trouve d'autres très spécialisés, comme cette librairie qui est là en face, qui ne fait que du roman noir, par exemple. Mais les commerces traditionnels ont disparu, ça on ne peut pas le nier. C'est un quartier qui est très habité, oui, qui certainement a vu sa population se modifier au cours des années, surtout les 10 dernières années, parce que les restaurations ont amené d'autres couches de population et que d'autres sont partis, bien sûr. Et c'est un quartier qui essaye de vivre. Je pense qu'il y a quelques précautions à prendre à venir habiter ici. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que c'est un quartier qui est resserré, qui est fragile, dont l'équilibre est fragile à maintenir. Il faut bien avoir conscience de ça avant de venir. Il y a beaucoup d'habitants qui viennent, qui étaient ici dans le quartier ou qui viennent habiter ici et qui savent très bien qu'on a certaines contraintes quand on habite dans un secteur visité, mais que le jeu en vaut la chandelle. Donc on a quand même beaucoup de personnes qui sont là en connaissance de cause. Par contre, il ne faut pas cacher que malgré tout, il y a de temps en temps une petite animosité entre les commerces de restauration et surtout les boîtes de nuit qui sont venues s'installer dans le Vieux-Lyon. Mais beaucoup jouent le jeu. Hein. C'est vrai que d'abord beaucoup de restaurateurs ou de propriétaires de cafés
sont tout à fait correctes, hein, mais c'est vrai qu'il y en a aussi qui se fichent éperdument de ce que les habitants peuvent penser et qui disent de façon un peu légère, ils ont qu'à aller habiter en Ardèche, ils ne sont pas contents. Alors, bon, l'Ardèche a beaucoup de charme, mais le Vieux-Lyon en a aussi, donc on ne veut pas. C'est un peu léger de dire ça à des gens qui habitent ici depuis 40 ans. Alors, nous sommes ici rue de Gadagne. Donc, les Guadagni, la famille de Gadagne, était une famille italienne qui était venue s'installer à Lyon. Elle a habité l'hôtel de Gadagne, dont nous avons juste l'arrière ici, qui abrite maintenant le musée historique de Lyon et le musée de la marionnette, qui est donc un ensemble assez prestigieux. Alors, le musée historique commence au Moyen-Âge avec effectivement de très belles pierres sculptées, notamment des pierres du 11e et 12e siècle, qui proviennent des grands édifices religieux qui ont été désaffectés, démolis ou très transformés après la Révolution. Et la deuxième partie du bâtiment, donc les marionnettes, je crois qu'on fait une distinction à Lyon entre marionnettes et guignols. Eh bien écoutez, guignol est une marionnette parce qu'il existe plusieurs types de marionnettes. Les marionnettes à fil, les marionnettes à tige, les marionnettes à tringle et les marionnettes à gaine. Et c'est à ce type de marionnette qu'appartient guignol qui a beaucoup contribué à la renommée de Lyon. Attendez, j'arrive là, voilà, là, là-bas, 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 là-bas
À partir de l'âge de 10 ans, j'ai commencé à jouer, mais comme la scène est 1m70, je n'étais pas assez grand, on me portait pour être à la hauteur. Et de ce fait, j'ai commencé dans Canisa avec le rôle du petit pousset, et je n'ai jamais arrêté de jouer. Au départ, Guignol a été créé pour les adultes. Oh oui, enfin pour un vaste, oui, voilà. Un vaste public. Et puis, d'après ce que je crois avoir compris, disons que le fait d'avoir une certaine perte des adultes, qui malgré tout, Guignol n'a pas toujours été joué d'une façon parfaite, a peut-être perdu justement ce public adulte et a rattiré le public adulte en jouant pour les enfants. D'où forcément un Guignol pour les enfants. Enfin, moi je pense que Guignol est un personnage pour les deux publics, pour le public enfant et pour le public adulte. D'ailleurs, les enfants adorent Guignol. Ils adorent Guignol, ils adorent aussi le personnage de Niafron, qu'on a tendance à oublier à tort d'ailleurs. Eh bien, je vais avoir le plaisir de vous présenter un personnage célèbre dans le monde entier, qui a bientôt 200 ans, notre fameux Guignol. Guignol, personnage honnête, loyal, droit, défendant les malheureux, ayant des problèmes évidemment avec la maréchaussée, mais Guignol qui a surtout son accent lyonnais, et c'est ce qui compte par-dessus tout. Guignol sans son accent, c'est plus Guignol. Guignol avec son salsifis, sa coiffe, et puis pour moi il a un petit cheveu. Tout le monde n'est peut-être pas d'accord, mais pour moi, il a un petit cheveu. Et c'est un personnage très, très, très sympathique, voilà. Qui se chausse dans la tradition, toujours de la main gauche. Ça, c'est un point auquel je tiens beaucoup, voilà. Beaucoup. Guignol a un comparse que l'on appelle Niafron, qui est né un petit peu avant lui, environ 4 ans avant, et qui, lui, bien sûr, se chausse de la main droite, et qui, Niafron, qui est un personnage fort sympathique, trouve sa philosophie dans le vin, d'où le visage un peu rubigon. Et en même temps, Niafron est un homme très calme, qui parle dans le grave en roulant un peu les airs. C'est donc une voix et un rythme complètement différent de son ami Chignol. Voilà. Mais c'est un personnage qui est un regrelor, d'où le nom de Niafron, puisque les regrelors, on les appelle des niafres. Voilà. Je vous salue. Et dans la tradition, Guignol a aussi une femme, que Niafron n'a pas toutes les fois. Niafron n'est pas toujours marié. Mais quand Guignol est marié, sa femme s'appelle Madelon. Donc je vais peut-être avoir des difficultés pour la chausser, puisque normalement, c'est une main de dame qui la chausse. Il faut des mains relativement minces. Voilà. Et celle-ci, j'y tiens beaucoup parce que c'est la Madelon que maman a utilisée pendant toute sa carrière, c'est-à-dire environ 50 ans dans sa vie. Alors bien sûr, j'ai pas la voix pour faire une femme, mais une femme, ça parle un peu qu'en cantole, comme ça, voilà. Et ça, c'est la Madelon, c'est la fenote à Guignol. Et voilà un personnage aussi très sympathique. Écoute-moi bien, Guignol. Une marquise de Granville ne craint pas la mort. Ah mais ni moi non plus, je crains pas la mort. Mais à la condition, c'est qu'elle me laisse vivre. Hein. Serais-tu lâche? Ah non, madame la marquise, je suis pas un lâcheur. Et pour le coup le prouver, eh ben je reste aussi. Faut pas à croire que Guignol, c'est un capon. Hein. Merci Guignol, je n'en attendais pas moins de toi. À présent, que comptes-tu faire? Où est-ce que ça a été que vous allez roupiller? Mais je vais roupiller... comment dis-tu? Ben dormir, quoi. Et moi qui répète. Dans cette chambre. Dans cette chambre, là-bas? Oui. Eh ben écoutez, moi, je vais faire mon lit ici. Comme ça, pour arriver jusqu'à vous, il faudra qu'on passe sur mon matelas. Mais Guignol, tu vas risquer ta vie. Mais n'ayez crainte, là, j'aurai soin de me mettre sous la paillasse. Guignol, mon ami, je me confie à toi. Dormez en paix, madame la marquise, et ne faites pas de mauvais rêves. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon, ben, je crois que je vais aller chercher de quoi faire mon lit. Ça doit être là, dans le vide qui brûle, alors tiens. Je voulais simplement rajouter quelque chose. C'est que j'ai à côté de moi André Burtin, qui écrit donc beaucoup de pièces à l'époque avec et pour Jean-Guy Mourguet, qui est donc le dernier descendant de Laurent Mourguet, qui vit toujours heureusement pour nous, et qui a essayé de perpétuer cette tradition, et qui, une époque à Lyon, a donné un grand renouveau à Guignol.
Ce que j'aimerais dire, c'est que personnellement, je suis d'une vieille famille lyonnaise, j'ai toujours été dans la marionnette et j'ai des amis marionnettistes comme moi qui ont suivi la tradition, mais qui en même temps, comme dit Daniel, on a essayé pendant quelques années de renouveler et d'écrire des pièces nouvelles et puis de créer des personnages nouveaux. Et puis on a dialogué avec le public peut-être un petit peu plus qu'on le fait maintenant, et on s'est attaché à faire des pièces pour le public adulte. Ils sont très attachés à Guignol, y compris lorsqu'ils pensent que Guignol, justement, est un peu trop satirique ou un peu trop populaire ou pas assez littéraire. Même si, donc, c'est pour critiquer de temps en temps Guignol, je crois qu'ils y sont quand même tous attachés. Mais c'est là un vaste débat qui a fait l'objet d'ailleurs de travaux universitaires. Peut-être Guignol a tendance actuellement avec, puisqu'il est tombé dans le langage commun, on dit un Guignol, il apparaît à la télévision. Moi, ce que j'aime, c'est l'aspect traditionnel lyonnais, mais aussi on voit que, en même temps qu'une tradition lyonnaise, je crois que c'est une tradition théâtrale universelle à travers Guignol. Alors on voit effectivement Guignol à la télévision, puisqu'il y a les Guignols de l'info, mais ça n'est pas si différent que ça, puisque dès l'origine, Guignol donc, raconte les malheurs du temps, et qu'il y a toujours eu dans les spectacles de Guignol des passages critiques de la période, de la conjoncture, des hommes politiques, y compris encore à l'heure actuelle. Si l'on va au théâtre de Guignol, il y a, je le pense, toujours une partie satirique. Cela fait partie du spectacle de Guignol, qui au départ d'ailleurs est un répertoire traditionnel et de tradition orale. Guignol, c'est encore une fois un emblème lyonnais et c'est un personnage capital pour Lyon. Eh ben, moi qui aime le linge bien blanc, ben je suis servi, hein. Tenez, à la maison, moi, mes draps pour avoir du linge toujours bien propre, je les mets 6 mois de côté, puis après je les retourne. Puis 6 mois après, je les retourne. Et ben comme ça, moi, j'ai toujours du linge bien propre. Voilà, allez. Bon, là, quand je suis sûr, comme ça, je vais enrouler le saucisson maintenant, voilà, voilà. Comme ça, je le tire un petit peu ici, voilà. Voilà, puis je vais engager les draps, voilà. Comme ça, là, je vais le mettre là. Oh, il y a encore des plis. Ah, alors ça, je vais vous dire, les gones, faut jamais, jamais, jamais se coucher sur un drap qui fait des plis. Parce que le lendemain matin, quand vous vous réveillez, vous avez la figure du dimanche qui est pleine de plis. Alors c'est gênant, attendez. Attendez, j'avertis vous. Là, puis je vais poser mon fer chaud dessus, parce que le fer électrique n'existe pas encore. Voilà, comme ça, voilà, tiens. Allez, donc, ben, comme ça, c'est impeccable, voilà. Et ben comme ça, qu'est-ce que je vais être bien? Je vais peut-être aller me chercher quand même une couverture, parce que pareil, si on n'a pas au pied, on s'enrhume le cerveau. Alors, ça, j'ai jamais compris, mais ça fait rien. Je vais pas prendre la rue. Écoutez, on se trouve dans l'une des traboules. Et le mot traboule se dit traboula à Florence, et vient du latin transambulare, c'est-à-dire passer à travers. Alors ce qui est intéressant à Lyon, c'est qu'elles ont été construites, expliquer que ce sont des passages à l'intérieur d'immeubles qui permettent d'aller d'une rue à une autre. Et la raison au départ était une raison purement économique, c'est que Lyon était une ville qui disposait de peu d'espace parce qu'elle était entourée de marais. Et c'était une ville qui avait une forte activité au XIIIe, XIVe, XVe siècle. Et quand on a construit les immeubles du vieux Lyon où nous sommes, et on a continué ensuite au XVIIIe siècle, et on a continué au XIXe siècle à la Croix-Rousse, on a prévu ces passages parce que ça permettait de construire plus de mètres carrés. Et aujourd'hui même, en 1995, certains promoteurs utilisent ce système
pour garder la tradition dans des immeubles contemporains. Aujourd'hui, il y a quelques difficultés parce qu'on est rentré dans un monde où chacun a un peu peur du voisin. Et donc, très souvent, malheureusement, ces traboules sont fermées au public. Mais avec la ville de Lyon, les associations et les propriétaires ont trouvé des formules pour qu'elles puissent rester, certaines d'entre elles puissent rester ouvertes pendant la journée. Certaines ont été restaurées, je crois. Certaines ont été restaurées en même temps que les immeubles à l'intérieur desquels elles sont. D'autres restent ce qu'elles étaient. On ne restaure jamais, pratiquement jamais, une traboule toute seule. La traboule se restaure quand l'immeuble se restaure. Alors ce qu'on essaie de respecter d'abord, c'est l'architecture. Vous voyez que dans cet immeuble, comme dans beaucoup d'autres, il y a des formes architecturales de toute beauté. Allez-y. Oui, on va voir si on peut rentrer chez nous quand même en payant si cher. Allez. L'architecture et la beauté. Mais vous êtes... Repasser, monsieur, oui. Mais vous n'aimez pas la beauté ici? Oh non. Mais c'est dommage. Ah, pas des pourritures pareilles qu'ils ont réparées et qui font payer bien cher. Ah, mais ça qui fait s'écrouler. Moi, je suis dans un appartement au troisième, monsieur. Oui, Soi-disant que c'est refait par pitance. Eh bien, vous êtes locataire? Oui, bien sûr, parce que je n'ai pas les... Moi, puis, si ça se vendait, j'irais certainement pas acheter ça. C'est tout fondu depuis la cuisine jusqu'à la porte d'entrée. Ça n'empêche pas la qualité esthétique de l'ensemble. Oui. Enfin, l'humidité qu'on a là-dedans. Il vaut mieux aller à la Croix-Rousse où la guillotière qui était maintenant, c'est le sixième, la guillotière. Il y a des commerçants là-bas. Ah oui. Mais pourquoi vous êtes venu ici? Parce que j'étais dans le quartier, monsieur. Eh bien, c'est une bonne chose. Et j'ai déménagé ici en attendant. Et le logement où j'étais, rue du Bœuf, je ne peux même pas seulement y mettre mes meubles, maintenant qu'ils ont rénové. Et moi, on faisait encore un prix. Franchement, c'est une honte. Bien, et eh bien, merci de votre témoignage. Eh bien, vous allez en entendre d'autres. Hein, ceux qui ne disent rien, Ça fait longtemps qu'on en entend. Oui, et puis ça ne fait pas peur à personne. C'est toujours pareil, même au pareil. On change le chef d'orchestre, mais c'est toujours pareil. Eh bien, merci pour votre philosophie. Alors, madame, excusez-moi de vous déranger là, mais je vois que vous êtes habitante de l'immeuble. Oui, mais j'ai de la chance parce que je suis au dernier étage dans le plus bel appartement. Ah, voilà, oui. C'est l'appartement qui était le plus demandé parce que c'est le plus ensoleillé et peut-être le plus tranquille. Et si vous êtes très gentil, je vous inviterai à voir ma terrasse. Voilà. Je vous promets, je suis gentille. Mais écoutez, vous êtes contente de votre appartement? Oui, oui. Oui, très, très contente. La seule chose qui va me faire partir, c'est que je vieillis et que je suis fatiguée de monter toujours de beaucoup de choses au quatrième étage sans ascenseur. Et puis aussi en vieillissant, j'ai besoin d'arbres, de verdure, donc je vais partir me mettre un peu en dehors du centre-ville. Mais c'est un très bel endroit à habiter. Je vais vous dire pourquoi pour moi. Hein, parce qu'il y a encore une vie de quartier où tout le monde se connaît. On peut sortir le matin, on est entre nous, on se dit bonjour. Je peux sortir dans la rue sans argent, je peux faire toutes mes courses, on me fait confiance, je paye quand je veux. Ça, c'est encore quelque chose qui a du prix parce que ça existe très peu dans les villes. Hein. Ça ne vous ennuie pas qu'il y ait des étrangers qui passent dans les travaux? Non, moi non. Moi, je suis mariée avec un étranger, j'ai beaucoup voyagé, donc je suis très accueillante avec les étrangers. Mais ça doit gêner, effectivement, beaucoup de monde. Voilà. Alors moi, j'ai des problèmes un peu avec les voisins, parce que j'ai des fleurs et des plantes. C'est une chance. Et quand j'arrose, il y a quelques gouttes parfois qui tombent, et alors c'est très difficile. Je me fais engueuler parce qu'il y a de l'eau qui coule, etc. Pourtant, je fais très attention, mais bon. Voilà. Je dis, l'immeuble, il prend la pluie depuis des centenaires et il n'a pas bougé, mais moi, il ne faut pas que j'arrose. Voilà. Les appartements sont obscurs. Hein. C'est surtout en haut que c'est bien. En haut, c'est plus ensoleillé, c'est aussi peut-être plus tranquille, mais c'est moins joli. Les appartements sont moins jolis, ce sont les greniers qui sont aménagés, donc c'est plein de coins et recoins. Alors que les appartements premier, deuxième et troisième ont un cachet ancien, les poutres apparentes, cheminées, c'est plus joli, mais c'est vraiment obscur. Hein. Moi, je n'aurais pas habité plus bas. Voilà. C'est comme partout, il y a des inconvénients et des avantages
dans tous les quartiers. Alors ici, c'est vrai que on a un habitat assez serré et un quartier touristique qui pose des problèmes souvent avec les habitants. Bon, il y en a qui l'acceptent volontiers, il y en a d'autres qui sont moins heureux. C'est pour cette raison qu'il y a certaines travaux qui sont fermés. Alors, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens se ferment à l'intérieur de leur traboule. Ils ne veulent pas que les gens passent. Exactement, voilà. Pas d'étrangers. Pas d'étrangers. Parce que... à Lyon, on a un proverbe qu'on vous a peut-être déjà indiqué qui dit « Tout le monde ne peut pas être de Lyon, il en faut bien un peu partout. » Le monde étant au pluriel, bien entendu. Ça, c'est pour le professeur de français que je dis ça. Alors, pour en revenir au traboule, c'est vrai que c'est donc des passages très anciens, mais qui ont servi à des tas d'occasions, et en particulier au moment de l'occupation allemande pendant la guerre de 1940. Lyon a été en zone libre, c'est-à-dire n'a pas été occupé par les Allemands avant novembre 1942, mais a été occupé de 1942 à 1944, et beaucoup de résistants habitaient et travaillaient dans cette ville. Et c'est vrai que ces passages qui permettent souvent de relier deux ou trois ou parfois quatre immeubles sur deux ou trois ou quatre rues différentes ont été très utilisés par ces résistants, les boîtes aux lettres, quelqu'un a été suivi, rentré par une porte et sortait par une autre. Il faut du temps pour un étranger, effectivement, et encore plus pour un occupant qui n'est pas très bien accueilli, pour repérer tous ces réseaux. Mais en fait, ça sert aussi... ça a servi pour des raisons plus économiques, c'est-à-dire que ce sont des passages où on est protégé de la pluie. Et quand on transporte des ballots de soie ou des choses comme ça, ça permet d'éviter parfois le mauvais temps. Elle s'appelle la Cour des Voraces, c'est une traboule historique. Les Voraces étaient des compagnons qui ont mené des actions révolutionnaires à Lyon en 1848. Et entre autres, à partir de 1846, ils ont commencé à protester pour des histoires de vin. Ils voulaient que l'on leur vende le pot de vin lyonnais qui était le pot d'un litre. On l'avait transféré en pot de 1 demi-litre et ils protestaient puisque ce vin était vendu au même prix. C'est pour ça qu'on les appelait des voraces, parce qu'ils en voulaient beaucoup plus pour le même prix. Alors ce sont des compagnons tisseurs qui se sont révoltés en février 1848 et qui voulaient des réformes sociales essentiellement. Je vois que la Cour des Voraces a changé en 5 ans. Complètement, elle est maintenant complètement restaurée. On est dans un lieu qui est très chargé d'histoire à Lyon, puisque on est ici au centre d'un immeuble qui a abrité pendant le 19e siècle ce qu'on appelle à Lyon les canuts, c'était les ouvriers en soie, et qui ont eu plusieurs révoltes parce qu'ils estimaient qu'ils étaient mal payés. Et plusieurs de ces révoltes sont parties de cette cour dite des Voraces. Et cet immeuble a été habité en permanence depuis qu'il est construit, depuis le début du 19e siècle. Et aujourd'hui, l'immeuble est maintenant complètement restauré. C'est de nouveau un lieu parfaitement restauré, comme on peut le voir. C'est un lieu toujours très habité. Et c'est en même temps le départ d'un réseau de traboules à travers la Croix-Rousse qui permet de descendre à travers tous les immeubles de la Croix-Rousse, jusqu'à la place des Terreaux ou jusqu'à Villemanzy, qui est un lieu d'accueil pour les chercheurs étrangers de passage à Lyon. Nous avons déjà visité beaucoup de traboules. Y a-t-il plusieurs types de traboules ? Oui, il existe plusieurs types de traboules. J'en ai représenté quelques-uns sur ces schémas. En noir figurent les rues et en rouge les bâtiments, les immeubles. Alors voilà une traboule simple, une traboule bâtarde comme on l'appelle. C'est la traboule directe qui permet d'aller d'une rue à une autre. C'est le type fréquent dans le quartier Saint-Jean, mais assez peu sur les pentes de la Croix-Rousse. Voilà le type le plus fréquent, qui est celui de la traboule à détour. On rentre par une rue, on passe au rez-de-chaussée des immeubles, sous une allée couverte, et ensuite on rentre dans une cour,
qui sépare plusieurs bâtiments. Et on ressort dans une autre rue, en passant encore sous d'autres bâtiments. En général, ces traboules à détours ont des escaliers. Et c'est l'originalité des traboules croix-roussiennes que d'avoir des escaliers. Voilà, une traboule a plusieurs entrées. On peut rentrer dans des cours d'immeubles par plusieurs traboules. Voici trois indiquées aussi ici. Elles peuvent se rejoindre dans une cour intérieure et on ressort sur une autre rue. Voilà un type moins fréquent qui est la traboule d'angle qui permet de communiquer d'une rue orthogonale à une autre, de rue perpendiculaire. En général, le logement qui est ici, enfin les immeubles, l'immeuble qui est ici est beaucoup plus petit alors que celui-ci est plus massif. Et enfin, très rare, mais on le trouve surtout au bas des pentes, dans les quartiers riches, dans les anciens quartiers des marchands fabricants en soierie, la traboule rayonnante, c'est un gros immeuble massif qui possède une cour intérieure et par laquelle on accède par quatre passages, quatre traboules. Donc on peut aller dans quatre rues différentes. Et c'est l'immeuble, par exemple, le type d'immeuble dans lequel nous nous trouvons. Vous êtes à la Croix-Rousse, oui, donc ça rappelle beaucoup de choses. Il y a toute une page d'histoire, la soie, l'historique de la soie, l'historique des canuts, c'est quand même très important. C'est aussi une page d'histoire passée, mais que l'on essaye justement de faire revivre, qui permettra donc la continuité pour les canuts. Est-ce que vous, entre vous, vous employez toujours ce mot canut? Vous vous considérez comme canut? Oui, bien sûr, on se considère comme canut. Pourquoi pas? C'est vrai qu'au siècle dernier, c'était une injure. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, c'est tout à fait une autre époque. Donc on le voit différemment. On est fier, disons, d'avoir encore cette appellation canut, par le biais donc déjà du nombre. Et puis... par un autre biais, c'est que ça reste un métier d'art. Et les autres mots, tisserand, tisseur, vous les employez indifféremment ou... Ben, le tisseur, c'est essentiellement la personne qui tisse du coton, peut-être de la rayonne, du lin, que le canut tissait essentiellement de la soie, de l'or et de l'argent. Tisseur, tisserand. Et tisserand, oui, c'est la personne qui tisse du coton, toute autre matière que de la soie, de l'or et de l'argent. Et on reste 15 tisseurs à bras, donc 15 canuts, répartis dans trois ateliers. Par rapport au passé, j'imagine que vous êtes moins nombreux. Oui, bien sûr, donc c'est vrai que nous restons 15 personnes aujourd'hui, mais bon, on maintient donc le savoir-faire, la tradition, c'est quand même très important. Bien sûr, si on compare au siècle dernier, on comptait 30 000 canuts au siècle dernier. C'est tout à fait différent. On ne peut pas comparer un chiffre de 30 000 à 15, puisque ce n'est pas du tout la même époque. Alors, la maison des canuts à Lyon doit avoir une importance toujours? Oui, beaucoup, et je dirais même de plus en plus. Je peux vous donner un chiffre un petit peu approximatif. Nous recevons environ 35 000 personnes. Et on pense justement de développer ce nombre, puisque éventuellement on doit agrandir. Enfin, on a un projet quand même assez important qui permettra donc de voir autre chose au niveau donc, de la structure. Et donc vous êtes dans un musée, mais aussi dans un atelier de fabrication, puisque nous faisons aussi de la vente. Nous avons un magasin donc, de vente directe et indirectement. Indirectement donc pour les comités d'entreprise, pour les cadeaux d'affaires,
hein, et aussi dans une coopérative de tissage. Donc nous regroupons des tisseurs travaillant à domicile, donc environ approximatif, là aussi, environ 40 tisseurs qui travaillent donc chez eux, mais il faut bien le préciser, ce métier mécanique, justement, qui leur a permis d'avoir le statut salarié, hein, tout en, en travaillant chez eux individuellement. C'est vrai que nous, nous avons une grande spécialité, le carré de soie. Hein, le carré de soie, beaucoup de pain-main, hein, beaucoup de carrés peints à la main, et ensuite aussi beaucoup d'impressions. Hein, un petit peu du façonné dans la cravate ou l'écharpe. Hein, mais nous sommes très spécialisés dans le carré de soie. Et pour qui est-ce que vous produisez ? Alors, bien sûr, le plus gros client, c'est l'État français, mais il y a aussi les États étrangers, puis les particuliers de toute nationalité. Et l'État français, les commandes qu'il vous donne sont destinées à quoi ? La restauration. Alors, on pourra faire des châteaux comme Versailles, Fontainebleau, ou le mobilier national aussi. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a ça, mais il faut penser à autre chose. Il y a le particulier. Hein. C'est vrai que c'est toujours des sommes assez onéreuses, mais pourquoi pas, hein. Éventuellement, le particulier qui a un fauteuil, peut-être un salon d'époque à restaurer. C'est un choix bien personnel. Hein. Lyon, c'est toujours la capitale de la soie en France. C'est ce que l'on dit, mais ce n'est plus la même époque qu'il y a seulement, sans aller chercher trop loin, seulement 40 ans en arrière, c'est vrai qu'on entendait presque dans toutes les rues de la Croix-Rousse, on entendait des métiers à tisser. Hein. Donc là, c'était le métier mécanique, mais il restait encore beaucoup d'ateliers de tissage. Aujourd'hui, c'est vrai que ça se compte vraiment sur le doigt d'une main. Alors actuellement, les pentes de la Croix-Rousse sont très recherchées. Les promoteurs achètent des immeubles anciens. Ils les payent en moyenne 2500 francs le mètre carré. Puis ils les restaurent avec... ils gardent le gros œuvre, les pierres, qui sont d'excellente qualité. Mais ils refont tout l'intérieur. Ils refont les fenêtres. Souvent, ils installent des doubles vitrages. Ils refont aussi les canalisations, les descentes d'égouts, enfin tout ce qui est refaisable. Et ils les revendent trois fois ce qu'ils les ont payés. Oui, alors, cet immeuble paraît plus riche que les autres. L'a-t-il toujours été ? Oui, il l'a toujours été. C'est un immeuble qui se situe à mi-pente, sur les pentes de la colline de la Croix-Rousse. C'est un immeuble qui a été construit vers 1825, dans un quartier qui était lui aussi lié à la soie. Donc c'est là un quartier plus riche, et actuellement, donc, cet immeuble est destiné à une clientèle plus riche. Il vient d'être restauré. Vous pouvez voir d'abord les façades neuves repeintes, les ferronneries neuves également, les doubles vitrages. En revanche, l'immeuble qui se trouve de l'autre côté de la cour, bien là, n'est pas encore restauré. Alors, il existe actuellement un gros problème pour les personnes âgées qui ne peuvent pas rester dans ces immeubles parce que les loyers des nouveaux logements sont trop élevés. Ces nouveaux logements attirent une clientèle différente de la clientèle précédente. Il n'y a plus d'immigrés, mais il y a surtout des cadres moyens et des cadres supérieurs qui achètent ces appartements. Ce sont des appartements originaux de par la hauteur des pièces, 4 mètres, puisque ce sont les pièces qui accueillaient autrefois les métiers. Et dans ces appartements, il est possible d'aménager des mezzanines, de faire des duplex. Alors actuellement, le quartier des Pentes de la Croix-Rousse est à la mode et il est très recherché. C'est le musée historique des tissus, je crois que c'est celui qui est la plus grande image de Lyon, et tout au moins de l'industrie lyonnaise du 18e au 20e siècle, puisque Lyon a été la capitale et reste en partie la capitale de la soie pour ces périodes-là.
Cette affiche représente un des très belles soieries du 18e qui a été faite et commandée pour Marie-Antoinette au 18e siècle, pour la reine Marie-Antoinette qui désirait dans sa chambre effectivement avoir de superbes soieries telles que celles que vous avez ici sous les yeux et qui ont permis à Lyon justement d'avoir toute cette éclosion tout à fait exceptionnelle dans le domaine du textile. Et puis vous avez une collection très large de soieries. Alors, outre les soieries qui ont été commandées par la cour de France, notamment par Versailles et pour tous les châteaux royaux, nous avons effectivement un grand nombre de soieries qui ont été commandées par d'autres cours européennes du 18e, en l'occurrence évidemment par la cour de Catherine II de Russie qui également a fait des commandes massives à Lyon. Nous avons aussi des soieries qui évoquent toutes les commandes qui ont été faites par Napoléon pour remeubler ses châteaux à Fontainebleau, Versailles et des autres après la Révolution française. Alors ce quartier d'Aînés, c'est le quartier traditionnel de la bourgeoisie locale qui est souvent soit une bourgeoisie issue de la soierie, soit des milieux bancaires ou économiques et qui jusque au début du XXe siècle, avait installé ici ses hôtels particuliers ou ses grands appartements dans un quartier dont l'aspect extérieur est très modeste parce que à Lyon, on a l'habitude de réserver ses richesses pour l'intérieur et de ne pas trop les montrer à l'extérieur. On est discret. On est discret, c'est une qualité, c'est parfois un défaut, mais... c'est une tradition, en tout cas lyonnaise, la discrétion, qui va quelquefois jusqu'au goût du secret, mais ça fait partie aussi d'un tempérament où on aime bien la vie familiale, où on se retrouve dans des cercles d'amis et où on réserve ses frasques, où c'est quand on donne quelques coups de canif à la morale, ce n'est jamais à Lyon, c'est à Paris, c'est sur la Côte d'Azur, mais pas dans la ville, et surtout pas dans le quartier d'Aînés. Il y a toujours de grandes familles à Lyon ? Il y a toujours de grandes familles, mais comme partout, les grandes familles changent. C'est-à-dire que celles qui ont eu de l'importance au 19e siècle, certains d'entre eux ont continué à avoir de l'importance au XXe siècle. On voit maintenant de nouvelles familles, et ça me paraît tout à fait normal qu'il y ait des changements dans la tradition. Il y a eu beaucoup d'alliances, mais comme dans beaucoup de villes de province, enfin, entre des familles qui, où le fils d'un grand médecin épousait la fille d'un grand soyeux. Et d'ailleurs, on a un annuaire à Lyon qui s'appelle le Tout Lyon annuaire, et qui donne les antécédents et les descendants des familles. On s'y reporte quand on veut marier sa fille, pour savoir si le fiancé est de qualité. Mais tout ça, c'est quand même un petit peu du passé. Je crois qu'il n'y a plus que 5% de Parisiens qui sont Parisiens à la deuxième génération. À Lyon, on en est loin. Je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est vrai qu'il y a une permanence de vieilles familles lyonnaises, mais qu'on parle toujours des mêmes, parce que c'est vrai, je ne dirais pas que c'est une galéjade au sens marseillais du terme, mais c'est vrai qu'il y a dans la presqu'île un ou deux quartiers, Aînés, Saint-François, où il y a de vieilles familles lyonnaises bourgeoises, parce que Lyon n'a jamais été une ville aristocratique, mais essentiellement bourgeoise parce que marchande. Moi, je préfère dire les vieilles familles lyonnaises, aller en rencontrer sur le plateau de la Croix-Rousse, au marché tous les matins, ou dans le quartier de Vaise, etc. Et là, il est vrai que, bon, il y a une différence fondamentale, je le répète, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à des villes capitales comme Paris, où finalement on ne fait que passer, et où on va bien souvent par nécessité, parce qu'il faut vivre. Lyon est une ville, et moi je pense que c'est un signe de santé, où on est lyonnais encore, en majorité, depuis de fort longues générations.
On se trouve dans l'hôtel du département, qui est dans un élément de patrimoine, un hôtel du département qui date de 1850 environ, et on est dans la partie des grands salons, donc la partie des réceptions, la partie officielle. Donc ce qu'on voit derrière moi, ce sont des décors de l'entrée, de l'arrivée dans les grands salons. Il y a toujours ce côté un peu spectaculaire des grands bâtiments officiels. Oui, c'est un peu républicain. Je ne sais pas si vous connaissez les salons de l'hôtel de ville qui sont très beaux aussi, un peu différents, mais il y a ce côté très officiel, très doré, très décoré. Les Lyonnais sont très attachés à ce genre de décor. Ça fait partie du patrimoine un petit peu de Lyon. Oui, mais je crois que c'est les Français, peut-être en général, au-delà des Lyonnais, qui ont ce goût pour la décoration, pour les lieux un peu majestueux, officiels. Alors, nous sommes ici dans ce qu'on appelle le château Lumière, c'est-à-dire la maison familiale que Antoine Lumière, le père de Louis Auguste, a fait construire à la fin du siècle dernier, au tout début du XXe siècle. De maison Lumière, elle est donc devenue Institut Lumière, ce qui signifie que on est ici dans un endroit qui se préoccupe de lumière et du cinématographe, donc du cinéma. Alors, l'Institut Lumière a deux fonctions, disons. Il a premièrement une fonction de patrimoine, donc de musée. Le visiteur qui arrive à Lyon peut se dire, si je vais à mon plaisir, rue du Premier Film, dans le château Lumière, je peux trouver tout sur Lumière. Et en effet, entre la visite du château, la visite des extérieurs avec le hangar du Premier Film et puis la visite du petit musée Lumière, eh bien, le visiteur repart en sachant à peu près tout ce qu'il faut savoir en 1995 sur Lumière. Deuxièmement, l'Institut Lumière est une institution culturelle qui défend tout le cinéma d'auteur, géographiquement, si j'ose dire, horizontalement, c'est le cinéma de tous les auteurs, le cinéma de tous les pays. Et puis, verticalement, historiquement, l'Institut Lumière a vocation de cinémathèque et de lieu où on peut toujours prouver que le cinéma n'est pas un art du passé, mais que le cinéma est toujours vivant et qu'il est important, comme lorsqu'on relit Shakespeare ou Marcel Proust, eh bien, de revoir les œuvres de Jean Renoir ou de John Ford. Et l'Institut Lumière a, de ce point de vue-là, sa place dans un paysage qui compte la cinémathèque française ou qui compte le British Film Institute et qui compte toutes les cinémathèques du monde entier. Et cela depuis seulement une dizaine d'années. Et nous avons obtenu, c'est l'une des grandes victoires de la célébration du centenaire du cinéma à Lyon en 1995, nous avons obtenu que dès la fin de l'année 1996, eh bien, nous puissions disposer d'une grande salle de cinéma, rue du Premier Film. L'entrée d'ailleurs de la salle sera le hangar de la sortie des usines Lumière, c'est-à-dire là où sont sortis les ouvrières et les ouvriers le 19 mars 1895, eh bien, les spectateurs d'aujourd'hui du cinéma rentreront pour continuer à voir les films dans les conditions pour lesquelles ils ont été tournés et pour lesquelles Louis Lumière a inventé le cinématographe, c'est-à-dire dans le noir, sur grand écran, pour vivre ensemble, collectivement, un spectacle qui nous raconte l'histoire du monde. Les frères Lumière, d'abord, il ne faut pas oublier que lorsqu'ils ont inventé le cinématographe en 1895, ils étaient très jeunes, ils avaient une trentaine d'années. Donc, Louis est mort en 1948, Auguste est mort en 1954, donc c'est vrai qu'ils ont une vie très longue après le cinéma. Et disons, ce qu'on en raconte, le cliché habituel, c'est de dire « les Lumières ne croyaient pas en leur invention ». Nous, on pense que pas du tout, qu'ils savaient parfaitement la potentialité
le caractère génial, non pas de leur invention cinématographe, mais de tout ce qui concernait les images animées. Lumière, le cinématographe, c'est 1894, 1898, disons 1900. Il va tourner 1500 films, il va exploiter ses films à travers la France et à travers le monde entier, il va envoyer des dizaines d'opérateurs lumière en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Amérique latine, aux USA, en Russie, en Asie, dans toute l'Europe. Quelqu'un qui n'aurait pas cru, à son invention, aurait-il fait tant d'efforts ? Non, il y a 1500 films et nous défendons aujourd'hui très fort que Louis Lumière n'est pas seulement au bout d'une chaîne qui serait celle des inventeurs, mais également, mais aussi au début d'une autre, qui est celle des auteurs de films. Et quand vous voyez les vues du cinématographe Lumière, eh bien vous savez que Lumière est bel et bien le premier de tous les grands metteurs en scène qui ont jalonné l'histoire du XXe siècle. Mais les Lyonnais, je crois, et on en a la preuve cette année, les Lyonnais, véritablement, ont une espèce de fierté, en tout cas sont heureux de pouvoir se dire que dans la longue aventure du cinématographe et dans la longue aventure de ce que fut ce premier siècle du cinéma, eh bien, Lyon a une part. Je dirais aussi qu'ils sont d'ailleurs aussi fiers aujourd'hui de ce que, à nouveau, des films se tournent à Lyon, de ce que, à nouveau, il y ait par exemple un grand cinéaste comme Bertrand Tavernier, qui est né à Lyon, qui est président de l'Institut Lumière, eh bien, se dévoue totalement pour faire de cette ville, à nouveau, au seuil du 21e siècle et au seuil du 2e siècle des images, une grande ville de cinéma. Je m'occupe donc de la partie ancienne de la bibliothèque de la municipale de Lyon, qui a beaucoup d'autres missions, mais une des missions importantes, c'est tout ce qui est conservation du patrimoine. C'est une spécificité française que les bibliothèques municipales conservent les collections patrimoniales. À Lyon, nous avons la chance d'avoir un des fonds les plus riches de France, sans doute un des deux ou trois fonds province les plus importants. Ce qui s'explique d'une part par l'importance de la ville, qui a été créée au 1er siècle avant Jésus-Christ, et puis d'autre part par l'histoire propre de la bibliothèque, qu'on peut faire remonter pratiquement au 5e, 6e siècle, puisque nous conservons encore aujourd'hui des manuscrits qui ont été écrits à Lyon, sur la Saône, à l'île Barbe, par des moines du monastère qui se trouvait sur cette île-là. Et puis ensuite, pour les imprimer, vous savez que Lyon a été une ville d'imprimerie au 15e, 16e siècle, a été à ce moment-là un des trois grands centres européens. Et donc nous avons évidemment beaucoup, beaucoup de témoignages de cette activité d'imprimerie à Lyon. Alors nous avons déjà la chance d'avoir un bâtiment qui est relativement récent, hein, puisque la bibliothèque a une vingtaine d'années simplement. Donc les documents sont conservés dans un silo, donc une tour de 17 étages, dans des compartiments relativement vastes, des relionnages tout à fait fonctionnels, donc pas vraiment de problème de conservation, une climatisation qui permet d'avoir des conditions d'hygrométrie et de température qui sont correctes, et donc une bonne conservation des ouvrages. On a débuté un programme de numérisation de documents qui se veut assez ambitieux, comme pour toutes sortes de raisons, et non pas pour des raisons de stockage, parce que forcément les documents anciens, on doit les conserver, donc on doit les stocker dans des endroits appropriés, mais on numérise surtout pour des raisons de diffusion. Mais comme l'objectif est effectivement de diffuser le patrimoine au grand public, on a commencé par l'image. Donc, et la bibliothèque a des collections iconographiques assez importantes, et je dirais même originales, comme une collection importante d'estampes anciennes et des enluminures assez extraordinaire, donc on a décidé de débuter par l'image. On a plusieurs façons de numériser déjà. Alors, on a déjà mis sur CD photos plusieurs milliers de documents, et on, on,
par un autre moyen qui est carrément la caméra digitale. Ce procédé est un peu plus lent et là on ne va pas très vite. En fait. Mais on a un objectif qui est d'atteindre 100 000 images dans 3 ans. Mais d'ici la fin de l'année, on est prévu l'achat d'un serveur Unix qui permettra justement la création d'un serveur web. Et on va commencer par mettre du moins une partie significative des collections sur web. Et de plus en plus, au fil des années, on enrichira le serveur. Et c'est vrai que très très souvent, à l'occasion d'expositions, puisque nous organisons régulièrement des expositions patrimoniales, les gens nous disent mais on ne savait pas, vous avez des choses merveilleuses. Et pourtant, ça fait peut-être 20 ans, 30 ans que les expositions. Les chercheurs actuellement se débrouillent toujours pour accéder à l'information. Hein. En revanche, le grand public n'a même pas idée de ce que prenait la bibliothèque. Et donc c'est un petit peu pour ça, hein. C'est un petit peu la priorité pour nous, hein, de lui faire. Et lui faire connaître toutes les richesses qui sont contenues ici. Si vous êtes là dans la salle de répétition et de travail du ballet, le Lyon Opéra Ballet. C'est une compagnie qui comprend 30 danseurs, 15 garçons, 15 filles, et qui s'exerce là tous les jours. On est sous les étoiles, on est sous le ciel, on est sous les nuages et sous le soleil. C'est-à-dire qu'on est dans une verrière, on est dans une voûte, sous la voûte. Hein. Et c'est un lieu donc complètement au dernier niveau de l'opéra. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les Lyonnais qui sont là à l'extérieur voient les danseurs travailler. Alors on voit des petits personnages qui bougent leurs jambes, qui bougent leurs bras, et on se dit tiens, c'est le Lyon Opéra Ballet qui est en train de répéter ou de faire sa barre ou simplement d'être là dans leur studio. C'est un ballet, c'est une compagnie qui est une compagnie très itinérante, c'est-à-dire qu'on les a tout de même à Lyon pour une cinquantaine de représentations dans l'année, mais sinon ils sont tout le temps sur les routes, dans les airs, ils font le tour du monde régulièrement, ils se promènent, ils représentent Lyon et leur compagnie avec des œuvres comme Cendrillon. Cendrillon de Maggie Marin a été donné 300 fois. En ce moment, il joue Roméo et Juliette, donc encore... Encore un ballet qui va avoir une longue, longue vie et qui va faire le tour du monde. Vous êtes un peu audacieux parfois à l'Opéra de Lyon. Vous voulez dire par rapport au lyrique ? Au lyrique. D'accord. C'est-à-dire que jamais, jamais la mise en scène n'est conventionnelle. Il y a toujours des surprises, il y a toujours des metteurs en scène qui vont essayer de dépoussiérer, ça c'est un terme qu'on emploie beaucoup dans le spectacle, et donner une nouveauté, puisque des Don Juan il y en a eu, ou des Noces de Figaro, peut-être 1000 dans le monde, hein, je dis un chiffre au hasard, il va falloir faire 1000 unième noce de Figaro. Et la priorité à l'Opéra de Lyon est toujours donnée à la mise en scène, à la compréhension au théâtre. C'est-à-dire que quand nous avons deux chanteurs à qualité vocale égale, on va choisir le chanteur qui bouge le mieux sur scène et qui est le plus proche du personnage. Chez nous, on a souvent beaucoup, beaucoup de surprises. Quelquefois,
ils sont très en colère. Et puis quelquefois, à force que nous les surprenions régulièrement, finalement, ils arrivent à avoir de l'ouverture et en tout cas à accepter les nouveautés théâtrales. C'est vrai que l'Opéra de Lyon est dirigé par des messieurs, mais que nous avons aussi dans l'Opéra de Lyon la seule femme chef d'orchestre de France. Donc, Madame Claire Gibault est une femme qui est importante. Je suis chef d'orchestre et chargée de la direction de l'atelier lyrique et de la maîtrise de l'Opéra de Lyon. C'est-à-dire que j'ai la responsabilité de la formation des jeunes enfants de la maîtrise, il y en a 102, et de l'atelier lyrique, ce sont les jeunes chanteurs entre 18 et 32 ans qui sont là, sortant des grandes écoles supérieures de chant, des conservatoires nationaux d'Europe, et qui souhaitent faire une carrière internationale, et on les aide à faire leur premier pas sur scène, à chanter pour la première fois avec orchestre, travailler avec des metteurs en scène, supporter le maquillage, les costumes. Et avec cette équipe d'enfants et de jeunes chanteurs, nous travaillons aussi pour le jeune public. Alors dans ma fonction, je dois aussi les former au répertoire traditionnel et les ouvrir au répertoire contemporain. Donc je peux commander des œuvres que des compositeurs, des librettistes écrivent spécialement pour eux et taillées sur mesure pour eux. Ça doit être assez rare. Une chef, on dit une chef. Mais dans les pays anglo-saxons, c'est moins rare que dans les pays latins. Oui. En Angleterre, il y a beaucoup de femmes qui ont des responsabilités. J'ai moi-même dirigé Péléas à Covent Garden. Et j'ai dirigé récemment à la Scala de Milan, une production de l'Opéra de Lyon, une création aussi. Disons que je voyage aussi beaucoup. Bien sûr. On prétend que Lyon soit une ville un peu discrète, un peu secrète, un peu conservatrice. Les mélomanes n'ont pas été trop choqués? Non, sans doute j'ai résisté à toutes les difficultés parce que dans l'Opéra de Lyon, il y avait un esprit d'équipe et que j'ai beaucoup été portée, j'ai beaucoup reçu aussi d'enseignements de toute cette équipe de l'Opéra de Lyon. J'ai beaucoup appris ici. Et en tout cas, je me sens bien acceptée au sein de la maison et il y a une très bonne relation avec le public, avec toutes les écoles de la ville aussi. Il y a un vrai travail de fond qui a été fait avec l'éducation nationale. Et non, j'aime cette ville. Ce bâtiment est très nouveau, il est très moderne. Il manipule des choses, des couleurs qui sont inhabituelles. Le noir est une couleur qui dans l'inconscient des personnes, est une couleur de deuil. Donc c'est vrai qu'il faut les habituer, il faut changer des mentalités. C'est ce qu'est le plus long à changer. Mais on travaille beaucoup, beaucoup avec le jeune public. On travaille beaucoup avec les écoles, beaucoup avec les étudiants, beaucoup avec les lycées et les collèges. On reçoit des milliers de jeunes toute l'année dans l'opéra. Et les jeunes adorent la couleur noire, adorent ce bâtiment, adorent cette architecture. Donc, cette architecture plus la modernité des mises en scène, il y a un vrai jeune public. Et là, vraiment, on sent qu'il y a une histoire d'amour entre eux et l'Opéra de Lyon. Et ça, c'est véridique. Alors Régis, l'une des curiosités à Lyon, c'est les murs peints, c'est les trompe-l'œil. Je crois qu'on se trouve ici devant la plus récente. Tout à fait, elle a été inaugurée au mois de mai 1995. Et elle est intéressante parce qu'elle représente un choix de 30 grands Lyonnais qui, depuis
le créateur de Lyon en 43 avant Jésus-Christ, qui s'appelait Munatius Plancus, jusqu'au plus récent, puisque Bocuse, grâce au ciel, est toujours vivant, qui illustre un peu l'histoire de Lyon par l'image. Depuis les Romains, ensuite il y a eu les grands martyrs ou évêques chrétiens, puisque Lyon a été une grande capitale du christianisme pendant les 10 ou 15 premiers siècles. À Lyon d'ailleurs, notre évêque s'appelle toujours le primat des Gaules, c'est-à-dire c'est le premier parmi les évêques français. Et donc ici, il y a le premier évêque lyonnais qui était Saint Potin. Il y a une sainte qui a été martyrisée dans l'amphithéâtre lyonnais en 177. Et puis ensuite, on saute un certain nombre de générations. Il y a quelqu'un d'intéressant que les Lyonnais ne connaissaient que très peu, qui s'appelle Verrazzano. Verrazzano, il a donné son nom à un pont de New York, parce que c'est lui qui a découvert New York. Et il était italien de Lyon, il a trouvé des capitaux à Lyon pour monter une expédition à travers les mers. Et après Christophe Colomb, c'est lui qui a découvert New York, et l'un des grands ponts de New York s'appelle le pont Verrazzano. Et les Lyonnais ne se souvenaient plus que c'était avec de l'argent lyonnais qu'on avait trouvé New York. À une époque plus récente, on trouve aussi sur ce mur Jacquard, qui a inventé le métier à tisser, qui a révolutionné la soierie lyonnaise. On trouve aussi des artistes, Édouard Herriot, qui a été un très grand maire de Lyon. Et puisqu'on est en 1995, c'est le centenaire de l'invention du cinéma. Et il y a les deux frères Lumière qui ont inventé le cinéma en 1895 à Lyon, rue du premier film. Il y a Bernard Pivot, qui est un excellent commentateur et écrivain. Et puis, il y a un confrère de votre illustre caméraman, qui s'appelle Bertrand Tavernier, qui est un grand auteur de films, qui est le président de l'Institut Lumière, et qu'on a vu tout à l'heure en train de filmer la scène. Et puis un homme que les Lyonnais adorent, et tous les Français aussi, qui s'appelle l'abbé Pierre, qui est aujourd'hui un très vieux monsieur, mais qui a lancé son premier appel en faveur des pauvres et des démunis en 1955, c'est-à-dire il y a 40 ans à Lyon. Alors le mur des Canus, c'est un des premiers qui a été réalisé à Lyon. C'était un immense bâtiment aveugle. Je crois qu'il y a deux toutes petites fenêtres dans ce bâtiment. Et donc ça a été une idée des artistes de la Cité de la Création qui ont proposé d'habiller ce bâtiment. C'est un véritable trompe-l'œil. Alors une des choses intéressantes, c'est que les artistes en question ne disent pas qu'ils font des œuvres qui doivent rester comme ça jusqu'à la fin des temps. Ils disent qu'ils habillent des murs, qu'ils participent à la vie urbaine, et que quand ces murs comme celui des Canus commencent à s'abîmer, puisqu'il a maintenant 10 ou 15 ans, ils vont refaire certains éléments. Nos personnages ont vieilli, ils ont 10 ans de plus, donc on va les refaire. On va reprendre, l'escalier va rester là où il est, mais il y a des fenêtres qui ont pu se boucher depuis 10 ans, il y en a d'autres qui ont pu s'ouvrir. Donc il y a un programme l'année prochaine de révision, restauration du mur des Canus. Le mur peint de la Cour des Loges, lui aussi, il a habillé ce qu'on appelle un mur pignon, c'est-à-dire un mur qui n'avait pas d'ouverture. Lui, il a un aspect un tout petit peu différent, en ce sens que c'est une publicité intelligente pour dire, à quelques pas d'ici, il y a un hôtel qui s'appelle la Cour des Loges, dans lequel, alors il y a un côté un peu théâtral, dans lequel vous rêverez, vous serez bien, mais c'est une publicité tout à fait intelligente, enfin, parce que le mot Cour des Loges est très discret, et en fait, c'est quand les gens en parlent, ils disent, bon, ben, c'est le mur peint de la Cour des Loges. La soirée a marqué Lyon pendant longtemps. Tout à l'heure, sur le mur peint des Lyonnais, il y avait
Jacquard, qui est l'inventeur du métier à tisser à la fin du XVIIIe siècle. Et ici, c'est un mur qui rappelle ce qu'on appelle la route de la soie, c'est-à-dire que c'est une princesse chinoise, d'après la légende, qui aurait découvert que le cocon du mûrier pouvait se transformer en fil de soie. Et pendant des générations et des générations, depuis les temps les plus reculés, il y a eu des échanges entre la Chine, le Moyen-Orient et l'Europe, l'Italie ou la France, et échanges qui aboutissaient jusqu'à Lyon. On voit beaucoup de gens qui se promènent et qui discutent devant les murs peints. Et ici, on est dans un ensemble d'habitations à loyer modéré qui a été construit il y a une cinquantaine ou une soixantaine d'années, qui devait être restauré, donc qui était très dégradé. Et en même temps que les sociétés propriétaires fabriquent ces murs, elles restaurent en même temps les appartements. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble qui fait que les gens qui habitent dans ces espaces sont plus fiers d'y habiter et en même temps leur appartement est réaménagé. On est à l'aube du 21e siècle vers une nouvelle renaissance de cette ville qui a le courage de se montrer alors qu'elle a toujours passé pour une ville secrète. Personnellement, je pense que Lyon n'a jamais été une ville secrète. C'est une ville florentine. C'est une ville discrète. À Lyon, on ne montre pas et on ne se montre pas. Comment voulez-vous qu'une ville qui est habitée et qui est façonnée par des gens qui, dans leur culture propre, ne se montrent pas et ne montrent pas, comment voulez-vous que cette ville se montre? C'était impossible. Or, ces 20-30 dernières années, il y a eu une profonde transformation du comportement des Lyonnais, dû à mon avis essentiellement à une nouvelle génération de Lyonnais qui sont les enfants des Lyonnais du début du XXe siècle, qui ont beaucoup voyagé, parce que les Lyonnais ont toujours beaucoup voyagé, et qui se sont beaucoup plus ouverts. Nous sommes à la fin de ce siècle dans une phase où celui qui ne communique pas n'existe plus. Je crois que dans l'intelligence lyonnaise, même si cela va un petit peu, je ne dirais pas à contre-courant, mais à l'encontre de son caractère fondamental dont je parlais tout à l'heure, qui est la discrétion, je crois que les Lyonnais ont compris qu'il fallait communiquer. C'est ce phénomène, mais qui est prouvé historiquement, dans 2050 ans d'histoire, c'est au fin fond du caractère du Lyonnais, je crois qu'il y a une facilité d'adaptation à la fois à son époque, à la fois à son propre façonnement, qui a toujours été prouvé. Lyon est une ville de charme, parce que c'est une ville d'impression. C'est une ville qu'on découvre petit à petit, ou alors une ville où d'un seul coup on se dit « Tiens, je suis amoureux de cette ville, mais je ne sais pas pourquoi. » Et ça, c'est essentiellement féminin. Le jour où vous cherchez à expliquer pourquoi vous êtes tombé amoureux fou de votre épouse, je crois que vous allez rompre le charme et c'est fini. C'est un petit peu ce système qui me fait dire que cette ville est une ville d'impression, que l'on découvre petit à petit, mais qui finalement est une ville difficile à s'expliquer et à définir. Quand on me dit patrimoine à Lyon, j'aurais tendance à dire que quand on est à Fourvière et qu'on regarde la ville avec cette extraordinaire forme de toit, ce qu'on appelle le vélum de la ville, c'est ça le plus beau patrimoine de Lyon, c'est sa situation et cette installation à cheval sur ces deux fleuves qui en fait quelque chose de magique. Mais c'est un patrimoine, le vrai patrimoine lyonnais est un patrimoine complexe qui justement est constitué de cette addition, de cette superposition de couches culturelles successives. Le patrimoine de Lyon, c'est Lyon, tout simplement, je crois.
vous allez apparaître donc en Nouvelle-Zélande hein, comme une. Vous serez célèbre. Comment dire, un prototype de la femme lyonnaise. Ah ben non, ils vont être malheureux les pauvres. Hein. Non, mais non. Mais non, écoutez. Vous demandez qu'est-ce que c'est. C'est des extraterrestres là-bas ou quoi. Commentez un tout petit peu, oui, l'emplacement tout à fait stratégique de la basilique de Fourvière, qui domine notre très belle ville de Lyon, traversée par le Rhône et la Saône, qui vont donc s'embrasser au sud de Lyon et se confondre en une seule rivière, qui devient à ce moment-là le Rhône. Je suis tout à fait heureux de pouvoir donner un salut très fraternel et très amical, donc un grand salut à vous tous.